compris. Que savaient Justin Trudeau et son entourage sur les tentatives de la Chine pour influencer le résultat des deux dernières élections au Canada? Raymond, la chef de cabinet du premier ministre, affirme que c'est par les médias qu'elle a été mise au courant de nombreuses allégations. Voilà, on parle ici de Katie Telford, qui est vraiment la personne de confiance de Justin Trudeau, sa chef de cabinet depuis 2015. Elle témoigne devant cette commission présidée par la juge Marie-Josée Hogg depuis 14 heures cet après-midi, accompagnée, comme vous le voyez, de trois autres hauts placés du bureau du premier ministre. Vous savez, l'an dernier, Sophie, il y a eu cette fuite importante d'informations provenant, on pense, du SCRS à l'effet que la Chine a manœuvré au Canada, s'est ingérée dans le processus démocratique lors des deux dernières élections en 2019 et 2021. Que savait le Canada, que savait le gouvernement de M. Trudeau sur ces tentatives d'ingérence chinoise? Bien, pas grand-chose si on se fie aux témoignages qu'on a entendus aujourd'hui. Is this something of which you were aware during the 2021 election? We were not. And I would just go further to say it was surprising to us when we were learning this much, much later, that this intelligence existed. That was happening for us in the same way that it was happening for the general public. We were learning things in these leaks. Demain, c'est Justin Trudeau lui-même qui va témoigner devant la commission. Le premier ministre, effectivement, qui est attendu fort probablement dans le courant de l'après-midi. On sait qu'il avait témoigné devant une commission l'an dernier, la commission sur l'état d'urgence à Ottawa. Il s'en était bien tiré. Là, cette fois-ci, il va devoir expliquer ce qu'il savait des tentatives d'ingérence de Pékin dans les deux dernières élections canadiennes. On sait que selon des reportages du Globe and Mail et de Global News au cours de la dernière année, il y a des allégations à l'effet que la Chine souhaitait l'élection d'un gouvernement libéral minoritaire. Et là, il y a des documents du SCRS qui ont fait surface au cours des dernières heures à l'effet que la République populaire de Chine s'est ingérée de façon clandestine et trompeuse lors de ces deux dernières élections en 2019-2021. Donc, la suite de cette commission demain avec le témoignage de Justin Trudeau. Oui, c'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Raymond. Je vous en prie.